Et bonjour à tous, on se retrouve pour un 510e épisode de Station Ears saison 5, toujours sur Vulcain, et aujourd'hui on refait nos circuits. T'as pas pété quelque part? A priori non. Ah bah là, ça a pété. Bon, bah là, j'ai plus de problème. Ok. Quoi? Plus de tuyaux, plus de problèmes, ouais, c'est ça. C'est une bonne façon de régler les problèmes. Conserver 2 mégapascales, t'étais réglé à 1. T'as combien? T'as plus que 2,1 mégapascales, 356 mol. On va pas passer par là. Passer par là. 7,65 mégapascales. Toi, je voudrais te remplir, je pense que ça serait plus simple. Au lieu d'utiliser du NOS qui coûte cher, je voudrais te remplir avec du pollutant qui coûte rien. Alors. Normalement c'est bon. Toi t'es réglé à quoi? 400. Toi 1990. Donc 400. Et donc cet étage là, il faut que je lui mette en place son échangeur avec l'étage
avec l'extérieur. Qui va se présenter sous la forme de l'autre? Bah, tiens, toi, faut que je te vire aussi. Voilà, tu peux venir avec moi. Donc du coup, toi, tu dois plus t'alimenter ici. Tu devrais être alimenté. À côté. Est-ce que... Là, on devrait avoir quelque chose comme ça. Toi, il faudrait que je te décale. Et que là, je t'alimente. Par l'intermédiaire d'un tuyau de... Par l'intermédiaire de ce tuyau-là. Et là, on y vient. Ça ira plus vite si j'alimentais ça, mais il faut que je décale tout. Donc, si je dois t'alimenter à côté, c'est réglé à 600. Je mettrai par là. Je te réglerai à 600. En fait, câblage là. Juste une jonction. Je te mets un three-way par là. Ça passe pareil. Ce qui veut dire que... Ouais, je devrais pouvoir... Je vais mettre un T... Voilà. Ah. Quelque chose comme ça. Idéalement, il faut 1 mégapascal de pollutante. Et là, il faudra que je raccorde. Donc, le pollutante. Il arrive par là. Il faudra que je dégage tout ça.
T'as du liquide, dis donc. Non, c'est où? Qu'est-ce qu'il m'a dit, présence of liquid? J'ai cru voir un truc qui était abîmé avec présence of liquid. D'accord, c'est un tuyau qui a été endommagé, c'est tout. Si je mets mon admission plutôt là, j'ai plus de jus. J'ai vraisemblablement plus de jus. Ah zut. Bon, je vais passer la nuit là-dedans sans jus. C'est servi. Donc, mon admission par là, c'est bien. Il faudrait que je mette la purge. À ce niveau-là. Et là, j'ai pas la place pour passer mon câblage. Sauf si je décale tout ça. Ouais, les batteries sont à plat, c'est sûr. Pas grave, c'est que pour la nuit. Petit matin, il y aura du jus. Angle grinder, toi. On va te démonter. On va bouger. On va t'enlever pour l'instant. Si besoin, on te remettra. Parce que théoriquement, je devrais pouvoir virer ça, virer mon transfo. Alimenté par là. Et du coup,
toi, tu peux être alimenté par là. Si je déplace mon câblage par ici. Je peux virer le câblage là. Non. Ah, ça. Ça. Ce qui veut dire que... je peux passer ça par là au centre pour virer ça complètement ici. Est-ce que je peux te passer? Non, je peux pas te passer là, toi. Je peux te passer. Je peux te passer comme ça. Comme ça. Que là, tu es alimenté par l'intérieur. Si je fais la même chose là, tu es alimenté par là-bas. Logiquement, maintenant, toi, tu es alimenté par là-bas. On va tester ça. Bien alimenté. Donc t'es alimenté par l'intérieur du sas. Ok. Ce qui veut dire que ici, toi je peux te démonter. Non, avec ça. Et te placer comme ça. Mais j'ai mis là 2000 en back pressure. Ça, très bien. Ça. Comme ça, et ça. Tac, tac, tac. Euh.
Oui, on peut faire ça. Ça et toi, le plus simple c'est peut-être encore de te mettre comme ça. Un pressure régulateur. Régler à 1000. Oui, c'est pas grave. On aura tout le temps de boire plus tard. Ok. Ensuite, là je peux facilement me le ramener là-bas. Comme ça. Mettre un pressure régulateur ici aussi. Ah. Que je me reprends sur ce tuyau là ou sur ce tuyau là. Je pourrais me reprendre par là, ce serait peut-être pas mal. Ça ferait du tempo. Ça fait du temps pour vite, j'ai encore besoin de celui-là. Voilà. Ouais, on t'allume. Et tourne câble. Donc. Là, on a un pressure régulateur. À mettre dans l'autre sens.
une pressurante valve. S'il y a des chances, ça arrivera comme ça. Est-ce qu'elle arrivera comme ça ici? Elle arrivera comme ça ici. Non, parce que là j'ai mon arrivée, je peux pas faire autrement. Pourrait arriver ici. Si je revois ça. Parce que là, je suis en train de réaliser que je fais monter ça alors que j'ai ça ici. Donc, c'est ridicule. Autant récupérer directement mon câblage là. Ce qui veut dire que je peux récupérer. Qu'est-ce qui... Ah oui. Je peux replacer. Ça. Par là. Ça comme ça. Et là, je pourrais pressuriser. Ah. Un truc comme ça. 5500. Ça ira bien. Je t'avais arrêté, toi. J'ai oublié. Ok. L'usine à gaz prend forme. Me reste cette partie-là, donc... J'ai besoin d'un pressurégulateur. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir et on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!